Regarde bien cette couleur bleue. C'est la dernière chose que tu verras avant de disparaître. Vegeta, merci de m'avoir épargné. Tu t'es incliné devant moi, ton adversaire, en plein milieu du combat. C'est comme si tu avais déclaré forfait, c'est inadmissible. Je ne tolérerai pas une telle marque de faiblesse venant d'un Saiyan. Oh, je suis désolé. N'oublie jamais la fierté des Saiyans, c'est ce qui fait de nous des guerriers. La fierté des Saiyans? Je ne comprends pas. On y puise notre force. Oh, je vois. Entendu. Je ne l'oublierai pas, et je deviendrai aussi fort que toi. Non, c'est une mauvaise idée. Oui, tu dois me surpasser. Oh. Je ferai de mon mieux. Même si je doute que ça arrive un jour, petit. Mais j'essaierai. Vegeta, tu peux me donner un conseil de dernière minute? Non, désolé. Faites ton mieux. C'est tout? Faites ton mieux? C'est tout ce que t'as à me dire? Tu voulais un conseil, tu l'as. Bah, petit effort, quoi. Je te rappelle qu'on fait partie de la même équipe. C'est pas mon problème. Ça suffit, ma patience a des limites. Papa! Je vais battre Kakarot moi-même, hein? Pousse-toi de mon chemin, toi! Mais qu'est-ce que... Tu n'as toujours pas compris? Désormais, tu n'es rien d'autre qu'une coquille vide. Alors reste une bonne coquille inutile, mets-la en veilleuse et regarde-moi faire. La ferme! Tu te bats comme une fillette de 8 ans. Tu es vraiment sûr d'être moi? Hé, hey, calme-toi, Vegeta. Souviens-toi que si je ne gagne pas ce combat, tu mourras. Ferme-la, toi aussi! Je sais que je prends des risques. Je le sais, mais... C'est plus fort que moi, je préfère encore mourir plutôt que perdre un combat aussi minable. Hein? Hé, hey, toi, l'imposteur! Tu vas arrêter de faire ton fainéant et tu vas montrer à Kakarot ce dont tu es capable. Et c'est valable pour toi aussi, Kakarot! Tu ne vas quand même pas laisser un clone te battre! Mais il est de quel côté? Alors, tu veux toujours que je t'attaque sans retenir mes coups? Cette fois, c'est sûr. Cette énergie bleue qui dépasse celle des humains. C'est ça qui a permis à papa et à Goku d'affronter un dieu de la destruction. Tu te dégonfles avant de commencer le combat? Très bien, dans ce cas, je vais ajouter une règle. Voilà ce que je te propose. Si tu réussis à me porter un seul coup, tu gagnes. Je te déconseille fortement de me sous-estimer. Tu as confiance en toi, à ce que je vois, c'est déjà ça. Tu me déçois énormément. Je n'arrive pas à croire que tu utilises toujours une transformation aussi lente et inefficace! Ça a marché. Il a utilisé sa transformation ridicule pour me forcer à baisser ma garde. Si je devais noter ton attaque, je ne te donnerai pas plus de 3 sur 10. Je constate que tu t'es bien entraîné, mais tous ces artifices sont inutiles. Tu n'es qu'un simple mortel. Comment il a fait pour être aussi rapide? Il est encore plus fort que lors de son affrontement avec Kakarot. Mais ça ne suffira pas. Tu ne fais pas le poids face à un Super Saiyan bleu! Ça t'a plu? Alors abonne-toi et découvre d'autres vidéos de tes super-héros préférés.